manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le quitter. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne veux pas le changer. Bon chérie, dis-moi alors, tu dis quoi par rapport à mon projet là? Faut déjà que je commence à travailler pour pouvoir te libérer de certaines charges. Tu te fâches seulement. Kobikai, on ne peut même pas passer une soirée en amoureux, en paix, sans que tu ne te la ramènes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis en train de te demander comment est-ce que tu fais, comment tu vois ça comment? Parce que j'ai un projet, il faut trouver du financement et forcément il me faut travailler. Tu es obligé de travailler. Dis-moi, rester à la maison, ça te fait quoi? Ça te fait quoi de rester ici à la maison? Toi, tu ne peux pas rester ici à la maison. Donc toi et moi, on est pareil. Moi, je ne suis pas un être humain. Si tu travailles, qui va me faire à manger quand je vais revenir? Je vais manger la nourriture des membres de ma femme. Donc, t'as dit que comme je vais travailler, je ne vais pas trouver le temps pour préparer, c'est ça? Tu vas trouver le temps comment? Je t'explique. Chaque soir, ce qui est sûr, c'est que quand tu travailles, tu rentres au moins au plus tard à 17h. Chaque soir, je vais m'arranger à faire des gamètes de repas que je vais mettre au frais. Et quand toi, tu rentres à midi, tu récupères, tu chauffes dans le micro-ondes et tu manges. Ce n'est pas célèbre, ce ne sera pas la nourriture, faites pas même. Bobikai, donc le réchauffé a le même goût que la nourriture qu'on vient de préparer. Attends. Est-ce à dire que tu m'as prise chez mes parents pour venir me mettre chez toi en tant que ta cuisinière? Tu es la femme de la maison. Tu dois rester à la maison. Tu fais le ménage et tu travailles. Je vais travailler, Tchakunte. Je vais travailler. Laisse-moi tout ce que tu racontes là. Ça ne peut ni m'empêcher de faire le ménage. Ça ne peut ni m'empêcher de te faire à manger. Ça ne peut même pas m'empêcher de te faire la lessive. Non, je ne veux même pas. Tu travailles, les gens vont te draguer là-bas au boulot. Et puis je vais perdre ma femme. Parce que quand toi tu dragues les femmes des gens là-bas, qui vient se plaindre? Est-ce qu'on parle de moi? Faut pas être ingrat. Moi, je t'ai dit que je veux travailler. Tu veux travailler que tu as fait quoi comme étude? Donc, là où tu es couché là, tu négliges mon master professionnel en management. Et c'est ça qui donne automatiquement le travail. Mais postule mes dossiers n'importe. Tu as des grandes relations, pourquoi? Postule mes dossiers partout là et puis on voit. Kamika, qu'est-ce qui te dérange de rester ici à la maison? Tu veux même travailler pour quoi? Je ne suis pas ton bois blanc. Quand tu m'as connu, je me battais, je me débrouillais dans mes affaires. C'est pas parce que tu m'as épousé, je m'as mis l'alliance ici maintenant que je vais rester ici là comme ton pot de fleurs. Si tu ne veux pas que je continue mes affaires que je faisais avant, dans le calme et la sérénité, tu me trouves le travail. C'est comme ça que tu viens toujours gâcher l'atmosphère. C'est comme ça que tu es. Je ne veux pas que tu travailles. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner, mais tu ne travailles pas. Tu restes à la maison. Moi, je vais travailler. Tchakunte, moi, je vais travailler. Tu dis que là, tu demandes tout ce que je veux, tu vas me donner, je reste à la maison. Hey, tu viens de taper pour toi. Tu auras chaud, mon ami. Tu vas courir quand même dans tout droit là pour me trouver le travail. Allah, parole de mon copicaille.